Salut à tous et à toutes, c'est Marcus. Bienvenue les potos et bienvenue les potesses pour un nouvel épisode de Hero 4 Remake. Allez, c'est parti, direction le chapitre 12. Rappelez-vous, le poteau Louis est mort. Il a été tué par le méchant Krauser. Je dis vengeance! Tu t'es bien battu, Don Quichotte. Aïe, 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 aïe. Tu t'en tireras pas comme ça, Krauser. Ouais. C'est une promesse marcusienne. On va te déglinguer, mon gars. On va te défoncer la gueule. On va te planter. Je sais pas si on fera un combat au couteau avec ce pas copain là, mais s'il y a moyen, s'il y a la possibilité, je voudrais bien te tuer de la même manière que t'as tué Louis. Louis, qui n'y s'y attendait pas, hein, tout comme nous d'ailleurs. Les seules personnes qui savaient ce qui allait se passer, c'est ceux qui avaient déjà fait le jeu. Mais moi qui le découvrais, peut-être tout comme vous, ça a été la grosse surprise. Du coup, oui, tout à fait. Donc si je vais de ce côté-ci, nous avons un trésor. Un trésor de ce côté-ci. D'accord, c'est bien là. Mec, non, on va pas te fouiller. Non. Ça me dit que c'est par là. Mais moi, je ne vois rien. Bizarre, très très bizarre. On va s'en foutre. Doucement, doucement, doucement. Évitons de trop se hâter. On sait jamais. Oh, que dalle. Léon, j'ai vraiment pas le temps de répéter, alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah, bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais te remercier. Ouais, tu devrais. Elle ne le sait pas. On va essayer de pas trop bafouiller dès le début. Mais oui, elle ne le sait pas encore que Louis est mort. Quelle sera sa réaction quand elle va apprendre la nouvelle? Hein? Que quelqu'un m'aide à récupérer un bijou volé par un corbeau chapardeur. Vendre une émeraude rayée. Ouais. Niveau de la cour, x3. Là! La honte de la famille Salazar. Cet ignoble Ramon Salazar. La simple vue de son image me donne la nausée. Jette un œil. Quelque chose va forcément te plaire. D'accord. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Je te prends le spray. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Je vais te prendre ça. Tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étranger. Ensuite, on va ne rien faire. Ça, oui. Rien de plus facile. Vendre, non, je n'ai pas d'émeraude, donc c'est pas la peine. Échanger, non, ce n'est pas la peine. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Reviens quand tu veux. Ouais, non. Alors, attends, on va regarder un truc. Ouais. La mitraillette, t'es plutôt pas mal. Grenade lourde. Vas-y, on va pouvoir continuer. Mais avant... Boum! Là...
La 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 la. Il y a un trésor. Ah! C'est vrai que là on est au chapitre 12. Il a été vivement conseillé de ne pas utiliser le couteau à cause d'un bug, comme je l'avais dit hier. Donc ouais, ça va être compliqué. Parce que le couteau, c'est quelque chose de très important. Bon Dieu, de bon Dieu. Eh oh, faut pas que je commence à... à bafouiller. Tout simplement. On entend un truc. Ah! Un rubis! Moi, c'est pas un rubis que je veux, c'est une émeraude. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se tailler. C'est par là? Absolument pas. C'est de ce côté-ci. J'avais zappé ça. Ouh, toi, tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Tu te répètes encore une fois. T'es un rat d'auteur comme moi. On se comprend tous les deux. Clin d'œil, clin d'œil. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa. Il est tellement grand, le château! Tiens bon, Ashley. Il est d'une taille incommensurable. J'aime bien ce changement d'architecture entre ce qu'on voit là et ce qu'on voit là. T'as vu un peu? C'est comme si... je sais pas, moi, quelqu'un vivait là et avait un goût bien particulier pour l'architecture et que quelqu'un s'était ramené juste après pour faire un autre truc, encore plus gros, tout aussi gros, mais dans un style tout à fait différent. Hein, les propriétaires, essayez de vous mettre d'accord sur l'architecture globale. Parce que sinon, ça fait tâche, quoi. Ah ! Non ! Pas le couteau! Pas le couteau! Nom de Dieu! Après, c'est vrai que le bug intervient dans le cas où tu utiliserais le couteau après avoir récupéré un objet clé. Quel est cet objet? Je dois bien reconnaître que vous êtes tenace, Monsieur Kennedy. Malheureusement, la partie s'achève ici. Débarrassez-moi de cet intrus. Merde. Je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord. Ah, je brûle, je brûle. Ah, le feu, ça brûle. Ah. Merde. Super. Non. Bah, j'ai pas le choix.
Où vous êtes? Par là que dalle. En face. Munition de fusil, hein, 2 balles. Ah là là, mais le jeu, mais t'es tellement généreux. Barre d'or. Mais c'est quoi? C'est une petite barre d'or ou c'est une grande barre d'or? Ou c'est une barre d'or de taille moyenne? Si, c'est sur 16. Encore 2 balles de fusil. Par ici, 9. Montons. Attends, je vérifie. Descends. Si je me mets là et que je regarde. Non, c'est bon. Les trésors sont au-dessus. Oh, salut toi. Ah, c'est bien. Vas-y, faut... Oh là là, mais... Quel skill. Vous avez vu ça un peu? Ah, je gère, hein. Pas de couteau. Vraiment, le couteau, c'est que dans l'éventualité où je me ferais agripper. Mais sans ça... 9. Hop, 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 hop. Ah là 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 là. What the fuck? On ne voyait plus rien du tout. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui au niveau du commentary. Je sais pas, j'écorche les mots là. Allez. Merde. Spinel. Oh mais c'est pas vrai de voir ça. Mais merde, quand je te tire une balle dans la tête déjà. Punaise. Tiens. Et en plus, il n'est pas encore mort. Je reviens. Là, c'est quoi là? La même chose. Salut. Voilà, va te coucher. Non. Vilain, pot de colle, mais une merde. Nom de Dieu. Non mais... C'est pas bien de jouer avec le feu. Mais c'est pas vrai. Super. Vous avez vu ça un peu le talent? Non mais j'ai encore plus mal joué que tout à l'heure, c'est super. Le deuxième essai qui est pire que le premier, c'est pas logique. Hein. Attends, par là on avait vu... Oui c'est ça. On avait vu qu'il n'y avait rien du tout. Tu ne mourras pas cette fois-ci. Enfin, je croise le doigt. Boum. Yeah. Un soupe. T'as droppé quelque chose avant ta mort. Ce qui fait que là, t'as droppé 2 fois. Mais c'est que t'étais vachement sympa. Attention, lance-flamme. Par là, c'est un cul-de-sac. Par ici, idem.
J'ai oublié de récupérer ce qui avait été droppé par terre, mais c'est pas grave. Tu jubiles, hein? Hop, 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 hop. Est-ce que le mieux ce serait pas de rester là où on est? Non. On attend patiemment. Et on y va. Suivant. Tu me saoules, toi? Allez, on y va. Recharge. Mon gilet va... Temps mort. On se calme, on respire. Tac, on met ça là. Du coup, ça je le prends. Maintenant, on craft. On peut faire des balles de mitraillette, mais on va plutôt attendre pour faire des balles soit de fusil, soit de peupon. Va tenir. Eh, mais tout le boulot, le bordel! Que de mal! La bouboule approche! La bouboule approche! Mais non! Mais... Bon, ça va encore. Allez, hop là. Surtout n'esquive pas, mec. Hein. Tac. Tac. Mon gilet. Eh, hey, me pousse pas comme ça. Ah là 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 là. De l'accueil. Magnifique, et du premier coup, vous avez vu ça un peu? Mince, je pensais pas qu'il y en avait une deuxième. Ah mais ça tombe en continu, d'accord, ok. J'entends de faire gaffe. Là on va waiter. On se fait comme ça. Et on y va. Moi j'ai eu les deux. Allez, vas-y, tombe. Hé, hey, là. Non, c'est good. Nyeh. Ok, ça tombe de là. Alors, fumier. Non! Ah merde! Pas le choix.
Et toutes les balles que je fous ailleurs. Là. Magnifique. Balle de pistolet. Ça, non, c'est pas la peine. Là, on peut descendre et j'ai vu qu'il y avait un trésor. Là. Allez! Pistolet. Ici. Horloge luxueuse. Qu'est-ce que je peux faire avec? Nous avons le choix de mettre un rubis. On va mettre ça. Ce qui fait que dorénavant il me faut deux émeraudes. Une émeraude pour l'horloge et notre émeraude pour la couronne. Non. Ça me dit qu'il y a un trésor là. Ah ouais! Mais comment je fais moi là? Bingo! Miroir avec perles et rubis. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose en bas. Descends. Là. Tac. Non, peut-être pas. Je vois qu'il y a un trésor sur le côté, mais peut-être que le trésor est tout là-haut. Donc c'est peut-être pas la peine de faire complètement marche arrière. Est-ce que ça va servir à quelque chose plus tard, là, ces bidons explosifs? Un ascenseur. Comme c'est gentil. Ah ouais, très certainement que oui. Ah, salut mec! Abandonnez jamais, hein. Ah, il est mort! Merde! Va falloir lâcher du lest! Ah, mais what the fuck? Mais ils font trop mal! Non, attends, je suis trompé, c'est pas ça, c'est ça. Pas de choix. Lâchez-moi! Non, je peux pas. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Mais il retire autant de vie maintenant? Non mais c'est pas vrai! Moi! Nous on est là et forcément faut que je refasse ce que j'ai déjà fait parce que c'est trop de la balle. On adore refaire encore et encore les mêmes choses. C'est le jour de la marmotte, n'oublions pas. Sauf que je ne suis pas Bill Murray.
mal, quoi, hein. J'ai bien fait de pas avoir shooté les tonneaux d'en bas. Ça aurait été dommageable. Maintenant, on peut descendre. Voilà, comme ça. Ensuite, on fait ceci. Un ascenseur. Comme c'est gentil. Et là, t'as l'autre zigoto qui va se ramener. J'en fous partout. C'est good. Pas mal, hein? Précédent, c'était très bien passé avec Louis, mais là, sinon, c'est chiant. Non pas que c'est pas bien, mais c'est que c'est chiant. Une différence entre quelque chose de pas bien et de chiant et quelque chose de pas bien et de pas chiant. Tu vois ce que je veux dire quand même, non? Je pense que je vais prendre mon fusil pour abattre l'autre trou de balle. Un ascenseur. On arrive même, par là. Vous abandonnez jamais, hein. Voilà. Ça c'est fait. Tac. Raté. Par contre là, je vais pas vous rater. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quoi? L'ascenseur! Pas mal, hein? Thank you.
Allez. J'ai pas oublié une plante? Non. Merde! Va falloir lâcher du lest! Presque. Pas mal, hein. Oh là 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 là, c'était pas du tout compliqué. Lol. Attends, recharge d'abord ça. Maintenant, tu recharges ça. Ensuite, on va là. On fait ça. On regarde ce qu'on peut faire. Munitions, je dis oui. Et on continue. Oh! Zapper un truc derrière. Tant pis. Bah, pourtant, je me suis décalé. Peut mourir de dessin. Ah, tire à côté, c'est ça? Ouais, magnifique. Merci. Oh mais non. Doucement. Doucement. Voilà. Comme ça, c'est très très bien. Oui. J'arrive mec, j'arrive. Eh au fait du coup j'ai rien fait au niveau des roquettes. Voilà, échec hein, émeraude rayée au niveau de la cour, d'accord, ok. Et là, progression 4 sur 4. Ah non mais il a déjà fait ça. Voilà c'est ça. Abîmer le portail de Ramon. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ok, c'est pour monter. Là, on va sauvegarder après. D'abord là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, ce que tu peux faire pour moi? Tu vas faire pour à moi. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix que tu te fais, l'ami. Ouais, ouais, c'est vrai, l'argent. Lol. Réparer non nécessaire. Par contre, ça oui. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Ah, on peut vendre des trucs. Ben oui, on peut vendre le miroir pour 10 000. J'achète, merci. La barre d'or pour 10 000. Une affaire bien conclue. Ce qui fait qu'on est à 83 000. Il reste des... Maintenant, on va là. On regarde. Non, pas d'émeraude. Tac, certir. Non, mais pas ça, ça. Super. Des choses à faire, tu ferais bien de t'en... Bienvenue. Alors, qu'est-ce là, que t'as fait? La 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 la. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Un choix original. Oh, dans le bon sens du terme, évidemment. Ben oui, bien... Bien sûr que... C'est ce que tu voulais dire et je t'avais très bien compris.
83 000... Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Tu crois? D'accord. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Et c'est ça pour voir. En coup. Reviens quand tu veux. Maintenant. Crafting. Munitions. Là, j'ai pas ce qu'il faut. What the fuck? Ah non, j'ai que de la petite ferraille. Ok. On va faire des balles de mitraillette, hein. C'est quand même important. C'est quand même utile. Surtout. Bienvenue. Non, on fera des achats ou des modifications la prochaine fois. Quand j'aurai récupéré des émeraudes. Sauvegarder. Chapitre 11, chapitre 4, début, chapitre 4. Tu voudras, étranger. Salut. Donc ouais, étranger. Là on peut descendre par là. Attends, je dois aller par là, mais du coup... Si je monte. Eh hey. Ben voilà. Oh, j'ai récupéré un spray. On peut descendre. Cherche pas à me parler, je suis trop loin maintenant. Oh bah dis, oh là là. Munitions. Attends mais, qu'est-ce que j'ai récupéré là? J'ai 6 balles de magnum. De quoi se mettre de la vie. Pareil là. Il faudrait que je récupère une plante rouge. Histoire d'être bien. Au niveau du fusil, on est bien. Au niveau du peupon, on pourrait être mieux. Et attends, j'ai... Si, un truc. Si je prends deux petits, est-ce que je peux faire un grand? Là, tu vois, en fait, ce que je voulais faire, c'est récupérer deux petits tas de ferraille pour faire un grand tas de ferraille. Mais non. Ainsi, je vous ai remis la fille, comme je vous l'avais promis. Dites à notre seigneur de ne pas oublier la loyauté de son serviteur, Rama. Lâche-le! Léo! Comme vous êtes stupide, Monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler. Ah, tu parles et pourtant, trop. Vous échouez. Oh! Espèce de ruffe sans aucun savoir-vivre. Comment osez-vous? Où on doit tirer. Vous n'êtes fait plus qu'un figurant dans mon scénario, Monsieur Kennedy. Alors ne prenez pas la grosse tête, votre instant de gloire est déjà passé.
C'est pas mon genre de prendre la grosse tête. Ne mêle pas à ton scénario pourri. Eh bien, pourquoi ne pas me montrer à quoi ressemble à mon scénario en l'écrivant vous-même ? Oh merde! Quelque chose ne va pas. Le spectacle ne fait que commencer. C'est pas évident à tirer avec la mire, hein. Oh, c'est vrai, je réalise que je n'ai pas encore procédé à la distribution des rôles. Pour vous, merde, le fou. Excusez-moi. De surmesure, n'est-ce pas? Très bien, Poudarcido. Dansons jusqu'à ce que nous atteignions la scène finale. Votre mort. Punaise. À chaque fois, je vise trop bas, quoi. What? Ah oui! Ah bah je... D'accord, ok. Vas-y, go, 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 go. Allez, demi-tour. Surveillez votre langage, monseigneur. Que penseraient les autres de vous? Mais n'importe quoi! Attends, je me remets de la vie parce que là, voilà. T'es touché? J'ai pas l'impression. C'est toi qui m'emmerde là! Vas-y, meurs! On va attendre là-dessous. C'est ok. Les bons flancs. Comment oses-tu me regarder de la sang? Saleté! Toi, je vais te faire taire! Essaye, vas-y!
Vas-y, c'est bien. Et de deux. Ou pas, hein. Ou pas, c'est lui, c'est le marsupilami. Je m'en fous, je vais rester dessous. Merde, le con. C'est vraiment mal poli, hein. C'est qui, il est parti, là? Comme tout à l'heure, on va se cacher là-dessous. T'as fini? Recharge. Merde. Oh. T'as vrai de voir ça. T'as fini un peu d'en foutre partout. J'ai plus de vie. J'ai failli crever, quoi. C'était un pouillème de vie. Mince. Mon cher maître, je vous en prie, laissez faire votre serviteur. Vos désirs sont des ordres, l'enfant. J'espère que la troisième sera la bonne, hein. Fais chier. On est là. Dessous, il se met en face. Allez, j'espère que là c'est la bonne, hein, parce que putain le combat, voilà quoi. Même pas. Loul. Je crois que j'ai tiré un poil au-dessus.
Mince. Allez, on se met la dernière plante verte. Et on croise les doigts. Punaise, je ferai une coupure montage, je suis mort 4 fois quand même. Quand même, hein. C'est pas rien. Rouge à lèvres. D'accord. Mais ouais, je te jure, le combat... Gavant sur 20. Et en vrai, la première fois, alors je sais pas si vous verrez... Non, vous ne verrez pas tous les essais. Je ne sais même pas si vous verrez... tout le premier essai... Mais en tout cas, si c'est pas le cas, sachez qu'au tout premier essai, j'avais utilisé l'entièreté des balles de mon fusil qui est là. Donc, bon, fort heureusement, j'avais clamsé. Deuxième essai, ça s'était mieux passé, mais j'avais moins bien esquivé. Du coup, j'avais perdu beaucoup de vie et à la fin, je pouvais plus me soigner. Troisième essai, je ne sais plus du tout. Ouais, un mix des deux, enfin bref. J'avais essayé au flingue, oui, j'avais essayé de buter ce gars-là là, qu'au flingue, sans utiliser les balles du fusil, mais j'avais l'impression que ça ne faisait pas grand-chose en dégâts, ce qui fait que là, j'ai un peu commencé au flingue, mais j'ai surtout après tiré avec parcimonie avec le Stingray. Et le résultat a été là. Ouais, ça a été chiant. Pas de temps à perdre. Ah ouais. Pas le temps, faut y aller. Faf la rage, toi-même tu sais. Ah oui. Allez, de la vie. Plante verte. Replante verte. On regarde. Ouais. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est des plantes rouges et dorées. Reprendre le flingue et vas-y. Pa 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 p
Au moins, j'ai pas besoin de nager. Parfaitement parfait. Allez, attends. Oh, 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 ne partons pas si vite. Là. Super. On est à 70 000, presque 71 000. Oui, bien. Fais chier. Tu cherches quelque chose ? Et voilà, on a terminé le chapitre 12. Et bon, c'était plutôt sympa, même si j'ai un peu plus, beaucoup, énormément galéré par rapport à hier. Bon, hier on était avec Louis, donc je me reposais pas mal sur lui. Là, je me suis retrouvé une nouvelle fois tout seul. Et ouais, on est mort plein de fois. Ce boss a été un peu un calvaire. Oh, calvaire, le mot est un peu fort. Le boss a été galère. Galère. Donc bon, hein. Encore une fois, comment je pourrais dire, je ferai une coupure au niveau du combat de boss afin de pas vous mettre 4 essais, 4 longs essais de ce qui s'est passé. Hein. Le but, hein, c'est de vous proposer quand même un gameplay agréable à regarder, entre guillemets. Donc même si j'étais déjà mort précédemment, hein, contre des sbires, parce que j'ai pas fait gaffe à ma jauge de vie, parce que ils étaient trop nombreux. Voilà, ça j'y touche pas. Même si je meurs 2-3 fois d'affilée, je fais pas de coupure, c'est pas la peine. Parce que bah finalement, on perd peu de temps. Par contre, je sais que un run, c'est bien 7-10 minutes. Donc tu fais 7-10 minutes multipliées par 4, parce que j'ai eu 4 essais. Là oui, là c'est de la perte de temps inutile. Mais enfin bref, j'espère que ça a été cool à regarder. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je compte sur vous pour avoir les retours. Les retours, mais vos retours, hein, voilà. N'oubliez pas avant de partir de liker, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout en activant la petite cloche. Ciao, bye bye et à très vite.